Bonsoir à tous, bienvenue ici au Groupama Stadium de Lyon-Décines pour la sixième journée, la clôture de cette sixième journée. L'Olympique Lyonnais reçoit le Paris Saint-Germain pour ce choc de la Ligue 1 Conforama. L'entrée des deux formations sur la pelouse, les deux meilleures années, équipes des années 2010 se retrouvent pour déjà peut-être un match qui va compter dans la course au titre. L'Olympique Lyonnais ce soir pour revenir, on dirait, dirait-on, dans la course au titre. La composition lyonnaise d'ailleurs, le 3-5-2 ou 5-3-2. Suivant comment ça va se passer avec Lopez, Denner, Anderson, Marcelo, Dubois, Koné, Mendes, Aouar, Reina, Adelaide, Memphis et Dembélé. Voilà. Oui, l'OL pour se relancer directement parce que ils sont revenir à un point du PSG. Et le Paris Saint-Germain pour définitivement laisser l'OL sur place. La composition parisienne avec le 4-3-3 classique: Navas, Meunier, Silva, Thiago, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Verratti, Gay, Neymar, Choupo-Moting, Di Maria. Voilà pour cette composition. Alors moi personnellement je ne suis pas fan de Marquinhos au milieu de terrain en 6, mais c'est la composition choisie par Thomas Tuchel. On va voir si ça porte ses fruits. En tous les cas, lui c'est du classique. L'OL a changé la poignée de main entre les deux joueurs, entre les joueurs, a changé de tactique, voilà, une tactique peut-être avec plus d'assises défensives. Ce sera peut-être mieux pour Anderson ce soir, qui a l'habitude, lui, dans son ancienne équipe, de jouer à 3 derrière. On verra bien ça, tout ça. L'OL, pour la petite info, a perdu que 3 fois à Lyon en 18 ans, ici même, ou du côté du Stade Gerland, en 18 ans, face à Paris, toute compétition confondue. La dernière défaite, c'était... il y a maintenant 2 ans ici même, c'était au mois de d'octobre il me semble, non, déjà à cette époque là de l'année à peu près. Voilà le coup d'envoi de la rencontre, c'est parti. Voilà le coup d'envoi à l'instant, ballon dans les pieds de Thiago Mendes avec Anderson. Anderson qui va trouver le long ballon vers Memphis, dans la tête s'est dégagé, que le contre lyonnais direct, Memphis, Dembélé, Dembélé, Memphis avec Dubois. Dubois qui va trouver l'international néerlandais Memphis en retrait pour Thiago Mendes avec Moussa Mawar pour la frappe de Moussa Dembélé, 7 minutes 30. Et voilà la première occasion pour de ce match, et elle est pour l'Olympique Lyonnais. On va la revoir. C'est l'arrêt de Keylor Navas, je ne suis pas sûr qu'il ait été cadré. En tous les cas, l'Olympique Lyonnais est déjà bien rentré dans son match. Après 28 minutes, on en a eu qu'une seule grosse, disons, c'est à la 7ème minute. Choupo-Moting, la frappe, ouverture du score, 29ème minute, c'est le Paris Saint-Germain qui est devant ici au Groupama Stadium de Lyon-Décines. C'est signé Eric Maxime Choupo-Moting. Ça refroidit le Groupama Stadium qui était chaud bouillant jusqu'à maintenant. Voilà, on va pas dire que c'est logique, mais voilà, 1-0. Le mauvais placement de la défense lyonnaise et qui concède l'ouverture du score. Il y a Marquinhos qui est monté avec Marco Verratti qui va frapper. Et la parade d'Anthony Lopez. Ce sera un corner. Il aurait dû passer devant le défenseur. Et voilà la pause ici au Groupama Stadium. On s'est un peu ennuyé durant cette première période, mais ça reste un beau match, enfin entre deux belles équipes. En tous les cas, pas beaucoup d'occasions à se mettre tout là-dedans. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. On va pas dire contre le cours du jeu, mais le match nul est pour l'instant serait pour l'instant logique. À tout de suite après une pêche de pub sur les antennes de la Jouze TV. À tout de suite. De retour ici au Groupama Stadium de Lyon-Décines, les 22 acteurs sur la pelouse, c'est reparti pour la seconde période ici. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Touzard vient de rentrer à la place de Jeffrey Adelaide. Pourquoi un changement défensif, je me demande. Retour de Youssouf Koné, Jason Denayer, Koné. Koné avec Moussa Dembélé, Moussa Goul avec Aouar, Memphis. Avec la montée de Léo Dubois, Léo Dubois qui est passé. Léo Dubois qui va rentrer dans la surface au centre de Léo Dubois. Thiago Mendes pour son premier but en Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais. Ça fait un but partout. 52e minute, le Groupama Stadium qui commence à se réveiller, qui délire. On va revoir ce but, ce bon débordement de Léo Dubois et le centre vers Thiago Mendes qui égalise. Le Brésilien, critiqué, très critiqué, remet les points du ailleurs, les compteurs à 0, ça fait un but partout ici après 52 minutes entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain.
avec Youssouf Koné, Memphis qui sera pas trouvé, maintenant qui va revenir, Eric Maxime Choupo-Moting en retrait pour Marco Verratti. Allez, la frappe, le poteau qui vient sauver Anthony Lopez. Ça s'enflamme un peu, le contre de l'autre côté, c'est parti. Awar et Memphis, Mendes, ballon perdu et le retour, bon retour de Marco Verratti, très très bon retour. Bertrand Traoré, Traoré qui a trouvé peut-être Youssouf Koné, il faut lui glisser. Traoré, pied droit, pied gauche, pied droit encore, et c'est joué personnel. Bouzard là-bas avec Memphis, Traoré, Awar, Awar la passe contrée, mais c'est Memphis. Et 85e minute, l'Olympique Lyonnais prend l'avantage. Et on peut dire que c'est peut-être pas logique, mais quand même assez mérité au vu de la prestation lyonnaise ce soir. 85e minute. Et l'OL qui prend l'avantage dans ce match et qui revient pour l'instant virtuellement à un point du Paris Saint-Germain. Voilà, 2 buts à 1. On se rappelle il y a 2 ans à la 94e minute. Memphis qui c'était sur cette cage d'ailleurs. Donc on aura vu une belle seconde période contrairement à la première, voilà, avec des occasions quand même et une belle affiche ce soir. Merci aux joueurs pour cette deuxième période surtout. Et voilà, un beau match. Lyon pour l'instant à un point du Paris Saint-Germain virtuellement. La dernière occasion peut-être, non, ça va être dégagé. Traoré de la tête, il faut siffler monsieur l'arbitre. Voilà, c'est fini. L'Olympique Lyonnais s'impose. Comme on a l'habitude de le voir si souvent face au Paris Saint-Germain. 3 victoires seulement en 19 ans, ça va faire du coup côté parisien qui n'a pu gagner ici depuis 3 matchs maintenant. Voilà, allez, on se retrouve bientôt pour la suite des aventures de l'Olympique Lyonnais. Ça sera face à Brest mercredi à 19h en direct du stade Francis Lebet. Allez, on se retrouve à Francis Lebet à mercredi. Salut les amis, Kichel Pali, à la prochaine.